On est parti cette année, donc pour les deux années qui viennent, sur une forme d'héritage des valeurs de l'Olympisme. Ce sera votre contrainte ce soir pour évaluer les artistes qui se présenteront. Je te laisse commencer ta présentation, il est 19h24. Je reprends le dessin induit par la structure que j'aimerais en fait superposer à une surface monochrome. Ça m'a fait penser à l'art cinétique. Oui, il y a une dimension de sensation, quoi, de sensation optique. Je suis très contente de ce soir parce que je trouve ça, moi j'aime bien les rencontres. J'y vais. En ce qui concerne le projet de la conque, j'imagine bien évidemment une œuvre forte en couleurs, de très vivant, de très coloré. J'insiste sur le fait que c'est pas plat. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, justement, c'est la complexité de ce format un peu cocon. Bonsoir, messieurs. Je voulais vraiment une fresque qui soit vivante et en mouvement. Voilà, il y avait vraiment cette idée de mobilité. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Oui, en fait, c'est des silhouettes de personnes qui sont assez... auxquelles tout le monde peut s'identifier, sauf que chaque personne a sa personnalité qui s'exprime à travers sa coiffure. Comment vous allez faire ça? Voilà. Comment vous le voyez? Plus le thème et l'intention est simple, plus elle est lisible. Quoi. On se donne donc 20 minutes, et en plénière, on échange les propositions et les arguments. Donc les insiders seront le collectif qui réalisera la conque sur la période 2024-2026. Bah joyeux quoi, enfin, un peu changer d'univers, surtout faire une nouvelle proposition. Pendant 2 ans, on va pouvoir à chaque fois découvrir des petites spécificités qu'on n'avait pas vues jusque-là. Ça va être très bien parce qu'ils vont s'adapter sur place.